Et bonjour à toutes et à tous, ici Jumeur France. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Survival Craft 2 pour l'épisode 7 de la survie. Donc dans le dernier épisode, qu'est-ce que nous avions fait? Eh bah on était en live, je me rappelle très bien, on était en live, on avait miné du fer, voilà. Alors, je sais ce que vous êtes en train de dire. Il est où ton full fer? Il est où ton épée? Il est où ton stuff? Et bah j'ai, comme qui dirait, un petit changement d'avis sur la série. Parce que je sais pas si vous avez, vous rappelez, mais j'avais passé sur Windows, j'avais passé de Java à Windows 10 en fait, tout simplement parce que en fait Filmora il voulait plus, il faisait grève. Filmora faisait grève pour Java Edition. Donc après, j'étais rendu sur Windows 10, vu que c'était ultra optimisé, donc je me suis dit, Filmora, il va peut-être filmer ça, voilà. Donc du coup, j'étais passé sur Windows 10, j'avais refait mon stuff vite fait à l'épisode 5 avec Colgain, qui m'a aidé, merci encore à lui. Et après, ce qui s'est passé, j'ai fait l'épisode 6, et après, je me suis dit, je me sers d'OBS pour le streamer, pour le streaming. Pourquoi pas l'utiliser, en fait, pour record, voilà. Et après, j'ai regardé des vidéos comment régler le logiciel, OBS, voilà. Et là, après, je fais quelques tests avec, ça marche impeccable. Je joue à des jeux encore plus puissants que je n'aurais même pas pu tourner avec Filmora. Ça marche impeccable. Par exemple, BeamNG Drive, c'était sûr et certain. Je fais que de cogner dans mon micro. C'était sûr et certain, BeamNG Drive, c'était hors de question que je tourne avec. Parce que Filmora n'apprécierait pas, il me referait encore le bug du décalage sur l'image. Ouais, bref, je pense que vous l'avez un petit peu trop vu même. Donc du coup j'avais réglé OBS, voilà, ça marchait impeccable, j'ai pu réussir à tourner BeamNG Drive. D'ailleurs ça veut dire que la preuve, parce que j'ai réussi à foutre du Roblox et du BeamNG Drive sur ma chaîne YouTube. Donc c'est à dire que mon multi-gaming que j'attendais, que je voulais faire avec impatience sur cette chaîne YouTube, il est enfin vivant, il est enfin là les gars. C'est ça en fait la base de ma chaîne. C'est du multi-gaming sur PC et Nintendo. Bon ok, d'accord, Nintendo c'est toujours pas arrivé, mais déjà c'est le principal les gars. Regardez ça, j'en perds ma voix en plus. En gros, en bref, je change d'avis. J'arrête Windows 10 Edition, j'arrête la série de Survival Craft sur Windows 10 Edition et je re-retourne sur Java Edition. Parce que de base, la série, je sais pas où, je crois que c'était le retour de Dégamer France, la vidéo, première partie. Je l'avais dit, je n'irai plus sur Windows 10 Edition. Et malheureusement, cette tenace n'a pas été promue, mais je me rattrape aujourd'hui. Bref. Trêve de bavardage, ça fait déjà 4 minutes d'intro, donc du coup, on se retrouve sur Java Edition, donc c'est-à-dire qu'on a le retour du bouclier. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, les gars, parce que si vous voyez que mon bouclier, il est pas comme dans l'épisode précédent, enfin, je sais plus trop comment il était mon bouclier au dernier épisode sur Java Edition. Je me rappelle qu'on avait fini la maison, mais en fait, si vous voulez, j'avais déjà tourné l'épisode 5, en fait, les gars. Donc, en gros, je m'étais pas mal avancé. J'avais fait quoi? Ouais, j'avais ramassé de la teinture, je crois. J'avais fait quoi d'autre? Pas grand-chose, après. Si, je m'étais battu, après, je crois, avec des zombies et tout. Bref, l'épisode 5, en fait, était censé être sur Java Edition, mais c'était à l'époque où je tournais encore avec Filmora. Donc du coup, ça marchait pas trop. Est-ce que j'avais fait des choses? Non. J'avais mis quoi là? Ok, donc là, j'ai encore plein de ressources. Là, j'ai rien. Le lit, il est comme ça, d'accord. La pire description, les gars. Donc, du coup, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal, du coup. Donc, on se retrouve. Donc, du coup, on a... Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui, la maison, voilà. Je voulais faire quoi? Je pense que comme objectif, les gars, aujourd'hui, ça va être qu'on se fait un petit champ, en fait. Un petit champ quelque part. Déjà, la source d'eau, là, je vais la boucher. Je vais boucher la source d'eau. Déjà, toutes les sources d'eau là qui se trouvent autour, là, je sens qu'elles seront bouchées. Voilà. Après, vous aurez pu me dire... après, vous allez me dire... What the fuck, le cracker, mon gars. Après, vous aurez pu... Mec, à quoi?
y a trop de trucs, les gars, c'est génial. Ouais, donc du coup, ce qu'on va faire, les gars, c'est très simple. On va prendre une pelle et on va aller miner de la terre pour qu'on puisse boucher toutes ces conneries-là. Parce que je pense qu'à mon avis, durant l'épisode 5, j'ai dû me battre avec des creepers et j'ai dû faire sauter les machins. Avec les chevaux, bien sûr, les chevaux. Les gros cheval. Alors, je sais pas trop, les gars, après, si on va apprivoiser un cheval, en fait. Parce que je me suis dit, si on explore un petit peu les environs, ça peut être très bien avec un cheval. Mais le problème, c'est que bah, le cheval, il va bien nous emmerder si jamais on croise une dark forest. Si on croise une forêt, comme par exemple celle-là, là. Cette forêt, par exemple, elle nous posera problème avec le cheval, en fait. Donc, je ne pense pas que... je ne pense pas qu'on ira très loin avec un cheval. Donc, je ne sais pas trop après si... on en apprivoiserait un. Bah déjà pour l'apprivoiser, il me faudrait déjà une selle. Parce que c'est bien de l'apprivoiser comme ça, mais si on peut pas le contrôler, c'est un petit peu nul. À chier. Bref. Ensuite, on a quoi? On a du mouton. On a deux moutons. Je pense. Ouais, je vais ramasser encore un peu plus de terre, les gars. Je fais une ellipse. Je ramasse un peu plus de terre. Et puis après, bah, on va commencer à s'occuper des champs là. Parce que. En plus, j'ai de la poudre d'os. On va commencer à se faire un élevage de moutons, hein, parce que je sens que la bouffe part très vite. Hein, on a... Oh bon. Ah bah oui, à part... C'est vrai qu'on en a même pas assez, hein, 51 steaks... Purée, j'en ai mis, les gars. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas retouché à cette survie, les gars. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, hein, les gars, si le retour sur Java Edition vous plaît. Alors, ouais, voilà. j'ai voulu dire une phrase, mais je l'ai mangé. C'est bon, les phrases. Bon, du coup, on a 2 stacks et 15 terres. Je pense que ça passe. Je pense que ce sera suffisant. Donc, on va les prendre et puis, bah, on a plus qu'à boucher tout ça. Attention, je fais ça en timelapse. C'est parti. Ah! Bon, alors les gars, ce qui s'est passé, c'est que bah, il me prend beaucoup plus de terre que prévu, ce putain de cratère. Ce putain de lac. Ce qu'on va faire déjà, les gars, c'est qu'on va dodo. On va dodo, les gars. On va éviter de se faire agresser encore une nouvelle fois. Hein, je sais pas si vous vous rappelez avec les araignées. Voilà. Du coup, on va continuer. Donc, je vais faire une ellipse pour récupérer un peu plus de terre, les gars, parce que... Bah, il nous en faut encore plus. A tout de suite. Ah, merde. Alors, les gars, comment dire que... j'ai plus de fer. Bordel de merde. Bon bah, on va éliminer de la pierre, les gars, et puis on va se refaire des pelles en pierre parce que bah, on en a pas assez, hein. On en a pas assez de blocs. Heureusement, il y a une montagne là-bas. Regardez ça, belle montagne. Allez, hop, on y va. Puis dodo dans le lit. On va éviter. Alors oui, d'ailleurs, pour ceux qui se rappelaient pas, lors de la vidéo 4.5, donc une petite vidéo bonus pour la finalisation de la maison, les gars, sur Survival Craft. J'avais oublié ça aussi. C'est que j'étais passé en 1.13. On avait commencé en 1.12, les gars, je me rappelle très bien. On avait commencé en 1.12 et on était passé en 1.13. Et c'est génial. Parce que du coup, il y a à la fond qu'on peut nager correctement. On peut nager correctement. Bah, on pouvait nager, mais l'animation était pas trop ouf, les gars. On va pas se le cacher. Ah, par contre, le charbon, ça, on va le prendre aussi parce que on en a jamais assez. Regardez ça, hop là. Et donc du coup, oui, il y a la 1.13 qui va arriver. Bientôt la 1.14, il y a déjà les snapshots. Hein. Actuellement, au moment où je tourne, nous sommes à la snapshot 06A, je sais plus, 19W06A. Je sais plus trop, les gars. Bah, dites-moi en commentaire si je me trompe. Dites-moi en commentaire si je me trompe, hein, et puis voilà. Hein.
Voilà. Bref, bon, je pense que les que la caillasse, on en a assez. Attention, MLG. Ah. On retourne se faire des pépels et on va continuer à creuser comme un gueudin. Voilà, parce que... Oh, bonjour le poisson. Je sais pas te taper. Bah, en fait, je l'ai tapé. Soutenez la fondation des poissons, hein. Je l'ai ramassé, le poisson. Bref, bah, les gars, j'ai pris le poisson. Ok. Voilà, j'ai une pelle. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une pelle, maintenant. Allez. Timelapse, allez les gars, un petit timelapse pour le creusage de terre, à tout de suite. Ok, bon, je pense qu'on en a, ouais, je pense qu'on en a pas mal là les gars, je pense. Donc du coup, on va faire ça, et allez, hop, on va reboucher ces trous. Ouais, on va boucher ce trou en même temps les gars, parce que... Bordel, le creeper qui est passé par là, il avait des faillots. Bon. Ça voulait rien dire, les gars. Mais ça veut complètement rien dire. Wesh, le trou. Wesh, un... Alors, on va éviter de crever, là. On va éviter de crever, les gars. Est-ce que je le bouge, celui-là? Ouais, je pense que je vais l'aplanir un peu aussi, parce que là... Mec, là, c'est une TNT, là. C'est pas un creeper, c'est une TNT qui est passée par là. Tu peux pas faire un creeper, fais pas de trou comme ça normalement, c'est pas possible. Regarde ça, regarde. Hop là, allez. Voilà. Bah. Alors on va planir un petit peu plus comme ça là. Comme ça on gagnera de la terre, tac tac tac. Ce sera déjà pas mal comme ça, les gars. Regarde ça. Hop là, voilà. Ah. Non, Jean-Mi, il faut pas poser de pseudo, voyons. Quelle est donc cette connerie qui vient de me faire, Jean-Mi? Je pense que la faille, les gars, je pense qu'on va la reboucher un de ces quatre, les gars. Parce que là, voilà. Ouais, aujourd'hui, les gars, c'est construction, les gars. Aujourd'hui, c'est construction, il n'y a pas exploration. Je pense qu'à l'épisode prochain... au prochain épisode, je pense qu'on ira en mine quand même. Parce que niveau fer, on en a plus. On en a plus. Si on est obligé, si on retourne à la pierre, les gars, c'est qu'il va quand même falloir quand même un petit peu s'affoler. Bref. Donc, ouais, je pense que je vais planer un peu plus comme ça, là. Ça va être joli, les gars. Ça va être joli. Voilà, regarde ça. Regarde ça. C'est joli. C'est joli. Joli sur 20. Joli sur 20. Sondage maintenant, joli sur 20. Voilà. Bam! On va tourner un peu la pelouse. Voilà, c'est joli! Regarde ça, c'est joli, c'est magnifique. Regarde ça, hop là, hop là. Regarde ça, c'est beau, c'est tout beau, c'est tout propre, regarde ça. Hop là, on va passer par là un petit peu aussi. Voilà, un petit coup de balai. Ça fait pas de... Bon, à vrai dire, le balai, les gars, c'est pas un balai que j'ai aimé. Ça tombe bien la pelouse, hein. D'ailleurs, va falloir que vous m'expliquiez, les gars, comment... ok, d'accord, j'ai eu un bug, les gars. j'ai bugué dans mon cerveau, là. D'ailleurs, vous m'expliquez, les gars... Non, en fait, il n'y a rien à expliquer, en fait, mais... D'où... Depuis quand, en fait, les sodos, en fait, ça tond la pelouse. Hein. Parce que le perso, la pelouse, j'attends comme ça, moi. Hein. Mais bon, après, vous savez, hein, la logique de Minecraft, hein, faut jamais chercher Minecraft. Minecraft, faut jamais chercher le sens de la logique, les gars. Parce que, après, tu fumes trop le cerveau, tu fais trop fumer le cerveau, et après, tu pètes un câble. Parce que tu n'as touché, parce que tu n'auras jamais trouvé la réponse. Tu n'auras jamais trouvé la réponse à la question du pourquoi, du comment, du Minecraft. Voilà. Ça ne voulait rien dire, je suis d'accord. Je crois que ce like, je pense que je vais le laisser. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être inspiré pour ce like. Je verrai, les gars. Je verrai qu'est-ce que je pourrais faire. Quoique. Je pense que... Non, en fait, je pense que je le boucherai. Je le boucherai, ce like.
Et ici, je pense qu'on va faire notre petite ferme. Quoique... Ah, j'hésite, les gars. Ouais, je sais ce que je vais faire. Adieu, ma pelle. Bon, bah, on va refaire des pelles. Purée, les pelles, les gars, ça se casse trop vite, les pelles. Regarde ça, je suis obligé de m'en refaire une. Regarde, je sais même plus en faire. Ça fait tellement longtemps que je sais même plus en faire des pelles. Hop là, on va t'aplanir ça. Bon, les gars, je ne vais pas dodo encore. De toute façon, c'est au bout de 3 jours que... C'est au bout de 3 jours sans dormir que les fantômes apparaissent, les gars. Et c'est vrai que les fantômes, on en a pas vu, les gars, encore. Mais je respecte tellement... Je vais tellement dodo, les gars, en fait, que... Bah, on n'en verra jamais, en fait, des fantômes. C'est le cas de le dire. Bref. Donc, je mine ça, voilà, c'est bien. Ouais. Allez, on va bouger tous. On va faire... Attendez. Oh oui, c'est justement ce que je voulais faire. Hop là, on va faire ça. Voilà. Ouais, il va être beau notre champ. Notre champ va être beau, les gars. On aura fait un champ. On aura fait un champ, les gars. Donc c'est-à-dire les récoltes, ils vont y aller, les récoltes. Ça va y aller, les gars. Voyons voir. Tac. Et après, je pense que je vais faire une dernière tranchée. Voilà. Bon, allez. Voilà. Voilà, les gars. On a notre champ. Bon, on va quand même aller dodo, les gars, parce que... On va quand même aller dodo. Parce que c'est bien de faire un champ, mais il faut quand même dodo, les gars, au bout d'un moment. Bref. Voilà, bon, on a un magnifique champ, les gars, c'est bien. C'est bien d'avoir un magnifique champ. On va quand même agrandir un petit peu le petit terrain, là, voilà. Après, je m'arrangerai, bien sûr, pour que ce soit un peu plus joli. Mais là, pour l'instant, c'est le prototype du champ, en fait. Là, c'est un petit croquis, les gars. C'est un petit croquis, là, regarde ça. Hop là, on va même faire comme ça, là. On va agrandir comme ça, les gars. Je crois que je vais faire un chemin de terre sans faire exprès. Voilà, on va agrandir. Voilà. Bon. Déjà, on aura un beau champ, les gars. On aura un beau champ. On pourra planter partout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, il va me refalloir... 10 bâtons. Voilà. Donc, attends, on va faire comme ça. Ça, on n'a plus besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Ça, c'est pareil. Les patates. Les patates, c'est important, les gars. La canne à sucre, on va pas la planter. On la plantera pas pour l'instant. J'ai une perle de laine. J'ai une underperle, les gars. Ok, d'accord. J'ai un pissenlit, voilà. Des babas. Des citrouilles. Ah oui, c'est vrai, les citrouilles. Est-ce que... Les citrouilles, je ne sais toujours pas comment faire pour sculpter. Pour les sculpter, les citrouilles, parce que... Parce que là, les citrouilles, en fait, les gars, c'est des citrouilles normales maintenant. C'est plus les citrouilles en mode tête, là. Donc, du coup, maintenant, faut les sculpter, les citrouilles. Et justement, je ne sais pas comment faire. Donc, s'il y en a un qui le sait dans... S'il y en a un qui le sait, là. S'il y en a un d'entre vous qui le sait, bah... Est-ce qu'il pourrait me le dire dans les commentaires, les gars, s'il vous plaît? Parce que... Je sais vraiment pas. On va se faire une autre pelle, les gars. Voilà aussi. On va se faire une autre pelle. Bref, bon, du coup, on a des patates, on a des... et on a du blé. Je pense qu'attendez, ouais, donc on va faire un côté blé, un côté patate. Ça va être très bien, les gars. Donc, pour cela, il va me falloir de la poudre d'os. Voilà, on va se faire un peu de poudre d'os. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bouclier, les gars. Ça nous gênera moins. Alors, on plante deux patates. On va faire comme ça, les gars. On va faire comme ça. On va planter des patates. Et on va les faire pousser. Voilà, voilà. C'est pas mal ce qu'on fait, là. C'est pas mal. Ah, rip le champ. Alors, patato. Voilà.
Et encore des patatos. Ça fait plaisir les patatos. Voilà. Bon, on a un beau champ les gars. On a un beau champ, on a un beau, on a un magnifique champ. Et on va pas tarder à s'arrêter les gars. Donc du coup bah on va faire, on va terminer quand même les champs. On va quand même terminer le champ les gars. Et puis après on va s'arrêter. Ça aurait été un épisode, ça aurait été un épisode en fait où on se remet en fait, où on se remet parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur Survival Craft. Fallait que je me remets dans le bar les gars, parce que il y a eu beaucoup de choses depuis. Il y a eu il y a eu des vidéos sur BeamNG, j'ai eu Assassin in the Mansion, ma mini série PVP. Il y a eu quoi d'autre aussi qui était arrivé. Il y a eu des vidéos BeamNG Drive, voilà. Voilà, il y a eu des vidéos un peu partout. En plus, je bosse sur un nouveau podcraft en plus, les gars. Et celui-là, en fait, j'espère que celui-là, il va vous plaire. Parce que celui-là, je bosse déjà depuis un mois au moment où je tourne. J'y suis dessus depuis un mois déjà, je suis rendu qu'au script encore. Donc pour vous dire que celui-là, il est très organisé en fait. Il va être très bien travaillé en fait celui-là, donc c'est pire qu'un joueur du grenier en fait. J'ai déjà un mois dessus, j'ai toujours pas fait de tournage. Bref. Donc du coup, on a un magnifique champ. On va se faire un petit screenshot pour la miniature. Voilà. Donc du coup, bah on s'est... Donc du coup, on a fait notre petit champ. Donc du coup, les gens, c'est-à-dire que ça va être la fin de cette vidéo. Donc en espérant que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, bah mettez un like pour le retour de Survival Craft sur Java Edition. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. L'idée de l'option, il y a un paquet d'informations. Vous pourrez retrouver ma chaîne secondaire, les podcasts de The Gamer France, dont j'ai parlé tout à l'heure avec le podcast. Bref. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc si... Donc likez si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire. Bref. Les mêmes chansons que je dis depuis 2 ans déjà, les gars. 2 ans déjà sur YouTube. C'est génial. Bref. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, c'était The Gamer France qui vous dit à la Stavista. Salut tout le monde.